Jodia, c'est 23 octobre. Bienvenue dans Fête la Belle. C'est 296 jours dans l'année qui a fini dans 69 jours. Avec Fête la Belle, chaque jour c'est un jour spécial. C'est le jour J-Parola ou même qui a fêté. Nous souhaitons bonne fête, gain fête. Ni dans le ciel là, ni sous la terre. Bonne fête la belle pour nous toutes. Fais fête la belle pour nous toutes. Pas quitter problème pour tête non, et stress. Tête fait mal, sucre, tension, cholestérol. Mettez toute tête chargée ça yo, la poubelle. Jodi a se fèt Saint-Jean de Capestran. N'ap reflechi tout kout sou 7 congrégations religieuses, institutions religieuses ki genyen pape ki soti nan yo. A nou kontinye avèk fèt la bèl. Pendant yo n'ap bay lòt la men. Nan respect, nan l'amour, pendant yon a bay lot, yon souri. On a parlé de Saint John of Capistrano, Servando et Hermann. Saint Jean de Capistra ou bien Giovanni da Capistrano ou bien en Croatie Ivan Capistra. Donc mon qui est le Ivan yo, c'est Jean yo et tout, c'est John yo et c'est Juan yo. Même Jean avec Saint François d'Assise, Maximilien Colbert, Jérôme
Emiliane ak anpil lot ja de Capestra te yon prizonne la gè. Se prizon a ki chanje jan, menm si li te deja yon avoka. Li devin apresye la vi plus, e plus ankon la vi eternel kretyen yo ap goume pou li ya. Prizon a te bay leson. Le li soti nan prizon an, li te menm vin magistra nan vil la. Li te konsidere tout sikse sa yo kom l'ajan, men li te pito lo e menm diaman. Li te deside atre nan la vi religyez. Apre li te fin konverti nan kristyanis, Jean te fè yon bagay ki te sipran tout moun. Li te mache promene la villa devan deye sou yon bourik avèk yon list tout peche li te kon fè, tout mal li te kon komet. Yon bagay etranj. Pepla te ridikilize l, epi voye la bou sou li. Malgre tou, li pat fache. Jean tal frape pot monastère franciscain yo et yo te accepté l. Li te étudié et li te vin ordonné paix en 1421. Li te entré dans ordre des frères mineurs franciscain yo OFM en octobre 1416 sous patronage Saint-Bernardin de Sienne. Jean te pratiqué ascétisme sévèrement. Ave di li te kon fè apil sakrifis nan la vi li. Li te defan ideal ortodoksi yon fason brital. Jean Saint-Bernardin te vle sa. Imilite Jean de Capistran pat gen parey. Li te grandi. Li tap mene yon vi de sakrifis vreman di. Li te yon gwo aset. Li te fè jen mache pye a te. Dormi pafwa kek zè selman. Li te gen yon gran zami ki te toujou apuye li. Jan nou te di se Saint Franciscain Bernardin de Sienne ki te edel vin yon gran predikate, yon gran teologye nan tout Europe la. Li te ordonne pè an 1425 Et puis, li te vin tounen yon kan predikate jan nou te di, tout l'église nan zon nan te vin trop piti pou akeyi kantite moun ki te vin koute les gens a preche. Se denye moun ki te vini, yo pat menm jwenn kote pou yo chita, yo t'oblije mete ban, mete chèz deyò a. Gen moun ki te rete kampe. Yo di gon lè, e publik la te depase plus ke 126,000 moun ki te vini pou koute Jean de Capistran kap preche. Li te kon rassemble troup pou mache sou l'ennemi yo touwi. Se pou sa yo te rele soldat pe. Ou bien pe soldat. Papla te mande Jean pou te konverti group Jean Hus, yo te, ke l'Eglise la te kondane kom eretik, epi yo te brile viva. Kon sa, Jean te ale an kwazad kont yo. Mem le rezultat pat tro favorab pou li. An 1453, Jean te ale tou da kwazad kont tuk otoman yo ki te fin pou a Jeruzalem. Tankou Bernardin li te souline Saint Nom Jésus-Christ. Tankou li te preche, se konsa tou li te ekri. Li te krampil, tankou sermon, teori, supremasi pap la. Li menm ansanm avèk 3 lot koleg, se 4 pi gwo
pilier dans la réforme et frère Mineyo. En résumé, Saint Jacques de Capistra était un frère franciscain, un père catholique dans la ville italienne Capistra, tout près Naples en Italie. Il était un prédicateur de renom, un gros théologien et il était un inquisiteur tout. Avec des monde qui allait dans croisade pour contre hérétique yo. Mon notre relé yon soldat saint. Le li tap mené yon croisade contre l'Empire Ottoman na Belgrade na pays Hongrie. Soldat Péa, soldat saint a te canonisé en 1690. Gen l'autre monde qui dit ça en 1724. Après la mort, la congrégation a été honorée. Elle a été bâillée une mission qui a parlé dans la Californie et dans le Texas aux États-Unis pour être nommée. Elle est patron de tous les législateurs et les chapelains militaires. Patron Saint-Jacques de Capistra en Californie et de Texas. N'a pas retourné dans un petit moment pour réflexion non. Allons réfléchir. Les sept congrégations religieuses qui gagnent un pape qui sortit dans yo. Première, c'est Bénédictin. C'est Saint Bénédicte de Nursi qui a fondé congrégation ça, institution ça, dans l'année 529 en Italie. Yo même yo bay 23 pape déjà, ça veut dire 40.35% et de tout pape et congrégation bail déjà. Deuxième congrégation, c'est les franciscains. C'est Saint François d'Assise qui était fondé en 1209, toujours en Italie. Franciscain yo bay 17 papes déjà, ça veut dire 29.82%. Troisième congrégation qui contribue, c'est les dominicains. Yo bay 7 papes. Quatrième congrégation, c'est les augustins. Yo bay 6 papes. Cinquième congrégation, c'est les cisterciens. Yo bay 2 papes. Sixième congrégation, c'est les jésuites. Yo bay yon pape, c'est pape qui la connaît là. Et septième là, c'est les théatines qui bay yon pape. Ça veut dire congrégation religieuse yo, cette congrégation religieuse yo yo contribué yo bay en tout 57 papes. Ça veut dire 51 papes normal et gen 6
antipape. Nous connaissons qu'en tout, il y a 266 papes depuis sorti dans Saint-Pierre pour arriver dans le pape qui est là, qu'on est là, Saint-Pape François. Alors là, nous avons étiré 57 papes dans 266 papes. Nous avons 209 papes qui n'ont pas sorti dans aucune congrégation. Si nous considérons deux plus gros congrégations qui ont plus de papes, nous voulons parler des bénédictins avec franciscains. Eh bien, total pourcentage pape pour deux congrégations qui ont plus de papes, bénédictins ont 23 papes et franciscains ont 17. Ça veut dire que nous avons en tout deux congrégations qui ont 40 papes. Ça veut dire un pourcentage de 70,17 et pour ça. Alors, on a parlé de congrégation. Mais nous connaissons tout 266 papes. Alors, là, nous avons 209 papes qui passent dans aucune congrégation religieuse. Bon, c'est comme ça, nous faisons le calcul là. N'a pas plus de détails, yon l'autre jour. Sous congrégation sa yo, spécialement des plus grands contributeurs en parlant de les bénédictins et les franciscains. À demain, si grand-mère là content.